qui part, c'est des lunettes de haute qualité. Hola ! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est pas du tout comme les autres. On va parler déco. Je sais pas ce qu'on va parler. Enfin bref, donc je vais vous embarquer dans ma transformation de ma chambre parce que comme vous voulez voir, il y a du boulot. C'est vrai que ça fait un moment que je veux changer un peu ma chambre, genre le style, la déco, parce que j'en ai marre en fait, il y en a partout et ça ne ressemble à rien. Donc j'en ai marre. Du coup, je vais passer du tri à la peinture, à la redécoration, à l'achat de meubles, enfin bref, je vais passer par toutes les étapes et du coup je me suis dit que j'allais vous vloguer un peu cette transformation. Et donc voilà, du coup j'ai un peu peur parce qu'aujourd'hui c'est l'étape que je redoute le plus, c'est l'étape tri, c'est l'étape débarrassage. Donc déjà, je vais vous expliquer un peu le projet que je vais faire dans ma chambre, comme ça vous allez comprendre un peu plus de quoi je parle. Donc du coup, quand on arrive dans ma chambre, on voit ça. Du coup, sur la droite, on a le lit qui va partir. Je ne veux plus de lit, je n'ai plus de lit, enfin je n'aurai plus de lit. Ensuite, là, on a donc tout ce qui va être, tous mes shampoings, mes produits de beauté, mes bijoux, etc. Ensuite, mon bureau. Et donc de l'autre côté, on a ma commode avec mes habits et mon make-up. Juste ici à droite, on va avoir un meuble que j'ai rajouté parce que j'ai plus de place avec toutes mes affaires de sport, de foot. Du coup, concernant ce que je vais changer, tout d'abord, comme je vous ai dit, je vais enlever mon lit parce que ça me prend une place folle et je ne dors pas dans ma chambre, je dors en bas dans une pièce qui est un peu aménagée, ça fait un peu un petit appart. Du coup, je vais enlever mon lit et je vais quand même mettre, j'aimerais bien mettre un clic-clac à la place plus petit au cas où quand même. Du coup, voilà. Donc du coup, sur ce pan de mur-là, j'aurai donc plus mon lit, mais à la place, j'aurai un dressing. Donc je ne sais pas si je le mettrai comme ça ou comme ça, parce que ça aussi je pense que je vais le virer. Vous doutez donc, enfin, vous doutez donc que ma décoration murale va partir, parce que ces cerceaux, je n'en peux plus, genre c'est hideux. Du coup, ça va partir. Hein. Donc au niveau de la peinture, je vais garder le mur juste derrière moi en marron, je vais juste repeindre avec une nouvelle couleur. Parce que j'ai plus de marron comme ça, du coup j'en ai racheté, mais je pense pas que ça va être le même précisément. Donc le pan de mur, je sais pas si vous voyez bien, le pan de mur de ma fenêtre, on voit rien du tout, c'est un carnage. Le pan de mur de ma fenêtre, ça va être aussi en marron, donc ça va être la même couleur que ce pan de mur ici. Et donc mes deux pans de mur ici et ici, ça va être en blanc. Maintenant que je vous ai présenté un peu ce que j'allais faire, etc., on va passer au tri. Et c'est parti! Alors là, c'est le moment que j'hésite. Est-ce que je... En fait, je dois enlever mon drapeau de Marseille et ça me fend le cœur. Du coup, j'hésite. Je ne sais pas ce qui m'a pris par la tête pour me dire « Tiens, un beau jour, je vais accrocher des places de foot sur mon mur. » Je me retrouve avec des places de foot sur mon mur avec un petit bracelet VIP, mais il n'y a vraiment rien qui vole. Déjà, je suis contente, il n'y a plus rien sur les murs, enfin quasiment, il y a juste... Dire, il faut que j'enlève tout le bout de tac, mais sinon il n'y a plus que mes étagères. Du coup, je suis contente, là, ça résonne de ouf! Trop bizarre! Du coup, là, je pense que je vais m'attaquer... en fait, il me faudrait mes cartons pour que je range... Du coup, là, je vais m'attaquer, je pense, à mon make-up. Mais je voudrais grave avoir des cartons. Je commence par le bureau ou par le make-up? C'est un bordel. On va commencer par le bureau. Je vais commencer par le bureau. Avant ça, j'ai enlevé tout le blue tech, tout ce qui est les clous sur les murs, etc. Pour qu'il n'y ait vraiment plus rien sur les murs. Comme ça, les murs, on n'en parle plus. Alors ça, franchement, je vais mettre là pour être dans le cadre.
J'avais acheté un collier, vous savez, avec des étages. Et je pense que c'est... Et franchement, je suis grave déçue parce que je trouve ça hyper beau, mais ça s'en mêle hyper vite. Et du coup, bah, je me retrouve avec un truc avec plein de nœuds. Du coup, je sais pas trop où le ranger pour pas qu'il s'en mêle. Mais en fait, j'aurais vraiment kiffé avoir des cartons, mais j'ai pas de cartons parce que genre là, mais... J'ai des crayons, des pots de crayons et je sais pas où les mettre. Genre là, j'aurais eu un carton, tout ça, j'aurais pu mettre dans un carton avec mes crayons, un carton make-up et tout. Mais là, du coup, j'ai rien. Du coup, c'est un peu la galère. Du coup, je suis à la recherche d'un carton. Il n'y a pas de carton. Il y a vraiment zéro carton. Il y a encore des cerceaux et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Par contre, je n'ai pas de carton. C'est bien beau de rigoler, mais je n'ai pas de carton. Donc bon. Bon, du coup, petit update, j'ai toujours pas trouvé de carton. Du coup, je pense qu'on va trouver un moyen. J'hésite, soit je mets dans des sacs, mais tout va se renverser. Soit je prends pièce par pièce, genre pot par pot. Et je vais le mettre dans un endroit, genre dans le bureau de mes parents ou je sais pas. Mais non! Est-ce que vous vous souvenez de l'époque de la mode des crayons? Genre moi, je sais plus si c'était genre tout collège ou si c'était genre que moi et quelques potes. Genre c'était la mode des crayons de couleur. Et je me souviens, on se colorait les cheveux. Je pense que je suis vraiment la plus grosse des pigeons en fait pour acheter ça. Je pense que dans la vie, j'adore mesurer. Genre j'ai retrouvé 10 règles. En fait, le problème des règles, des fournitures scolaires, c'est que à chaque rentrée, tu vas avoir des fournitures neuves. Du coup, tu rachètes, à la fin, tu te retrouves avec une collection de règles. Qu'est-ce que c'est que ça? Des photos. Donc là, je retrouve des photos qui datent du collège, genre ça fait trop bizarre, genre quand j'ai commencé à faire du cheval et tout, genre ça fait trop bizarre. Du coup, mes photos, je vais les garder parce qu'en vrai, c'était des souvenirs. Ensuite... Ça c'est un livre photo que mes potes m'avaient fait à mon anniversaire. Elle avait 17 ans. Du coup ça je vais le garder, genre il était trop bien fait en vrai. Genre merci à Camille, je trouve qu'on lui casse. Merde, je casse tout. Donc Camille, si tu passes par là, je pense que tu te souviens de ce livre. Ça c'est cool. Ça c'est ma photo de classe de première S. Donc bah, ça je les garde mais... Je les garde, mes photos de classe, parce qu'en vrai, je sais pas, j'aime bien. Ah, mon boîtier de code! Ça, c'est un album photo. Genre, quand j'étais petite, ma mère, elle faisait que des albums photos, et du coup, je les garde. C'est vrai que maintenant, on n'en fait plus trop. Enfin, moi, personnellement, j'en fais pas trop. Mon livret de code. On est sur un dessin qui n'a jamais été fini. On part sur une flûte traversière. Encore en faire. Bon, j'ai jamais su en faire, mais c'est jamais quoi. Si j'avais fait, je savais faire un truc, c'était quoi? C'était. Mon iPhone 5C. Mais non. Et lui, lui il m'a rendu l'âme, genre d'un coup. Genre, je l'ai fait tomber. Fini campagne, genre plus rien, plus d'image, plus de son, plus d'image. Mais ça, genre à l'ancienne t'avais ça, tu pétais le score en fait. Genre t'étais là, t'étais refaite. Maintenant t'as ça. Des blagues quoi. Mais je pense que je sais pas si je garde. En fait moi j'ai un problème, c'est que je veux toujours tout garder. Alors je sais ça, personnellement, ça me servira à rien. Donc là ça c'est mon boucleur Remington. Donc il est trop bien, il est vraiment trop bien, il est trop beau. Mais ça c'était genre les félicitations. Je sais pas si vous avez ça à votre collège, moi j'avais les félicitations. Donc ça commence. Premier trimestre, félicitations. Deuxième trimestre, félicitations. Troisième trimestre, félicitations. Et après, fini campagne. Je les ai plus, je les ai relus en terminale, mais sinon je les ai plus de ma scolarité. Ah, mais en fait vous... Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai des torchons dans mon bureau?
Du coup voilà, du coup je vais tout ranger et on se retrouve juste après. Genre avant ici tout était blindé et genre là genre j'ai un gros trou, ça s'arrête à la moitié et j'ai tout la moitié de libre. Du coup trop contente, je vais pouvoir ranger des trucs. Donc du coup il reste plus que les tiroirs et on en aura fini pour le bureau. Donc là on est, bon là je vous montre pas mais c'est toutes des feuilles, des papiers Bristol. Ensuite ici ça va être des crayons, des fournitrices, des fournis, je suis fatiguée, mon disque dur etc. Et ici, il y a tout, ah en fait mon lisseur, c'est pareil, mon lisseur c'est un Remington, trop bien aussi. C'est des lunettes de haute qualité. Ça c'est un porte-monnaie genre à l'ancienne je jouais à la caisse, genre à la vendeuse. Du coup j'avais plein de faux billets genre comme ça. Mais bon du coup ça j'avais des genre des, je me faisais des fausses cartes. Là c'est des vrais. Non ça, là je m'étais fait une fausse carte bancaire. J'avais plastifié et tout, j'avais fait des choses bien. Hein. J'avais une carte vitale en papier, genre. Mais mon premier téléphone, genre. Mon premier téléphone. C'était un chat 335. Mais à l'ancienne, avec la coque. C'était mon premier téléphone, genre. Putain. C'est pour ça que j'aime bien garder les trucs. Parce que... ça, c'était mon deuxième téléphone, donc on passe sur un tactile déjà. C'était le Samsung S. 330 Samsung Mini S4. On est sur un tiroir de qualité. Donc du coup là voilà, donc du coup je vous fais un petit bilan. J'ai jeté un sac poubelle de mon bureau. Donc il y avait besoin de tri. Là je vais m'attaquer au make-up. Du coup je vais pas faire de tri parce que j'avais fait un tri de make-up il y a pas si longtemps que ça. Du coup là j'ai rien acheté. J'ai rien à jeter, du coup je vais pas vous filmer parce que je vais juste prendre mon make-up et aller le mettre dans le bureau de mes parents. Du coup rien de ouf et on se retrouve juste après. Donc du coup j'ai mis tout mon make-up dans un sac, comme ça sera beaucoup plus pratique. Donc voilà où on en est, tout ça. Donc ça c'est vidé. Alors voilà les gars, on arrive à la fin de ce premier vlog. Pourquoi je crie comme ça d'un coup? J'ai dû vous réveiller, désolé à tous ceux qui sont endormis devant ma vidéo. Et du coup, on arrive à la fin de ce premier vlog. Donc du coup, on va se retrouver dans la deuxième partie. N'oubliez pas de venir la voir, hein, parce que c'est quand même important de voir le final résultat. Et du coup, on verra donc le montage de mon dressing et mon room tour final. Donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça m'encourage toujours encore plus. N'hésitez pas à vous abonner pour être encore plus nombreux dans la famille et à vous abonner à mon Instagram si vous voulez rentrer encore plus, si vous voulez tisser encore plus de liens. Et du coup, voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous !